Le défi, c'était d'essayer de chanter, donc de maîtriser un chœur, de construire un chœur, sans la compétence technique. D'abord, j'ai appris un peu à chanter et à faire chanter, un peu à entendre les choses, à prendre conscience de mon corps, de ce que ça voulait dire que de chanter ou de faire chanter les autres, parce que c'était à la fois de très haut niveau d'un point de vue technique et en même temps souvent très simple. Il y avait une espèce d'articulation entre une pratique artistique et une réflexion pédagogique. Et ça, c'était vraiment riche pour moi. La Fondation Égalité des Chances a souhaité se rapprocher de l'Opéra Comique parce que d'abord, c'est un lieu extrêmement prestigieux. Depuis plusieurs années maintenant, leur travail consiste à essayer d'éveiller la sensibilité artistique aussi des publics qui sont moins habitués à venir à l'opéra. La grande originalité de ce projet, bien sûr, la maîtrise de l'opéra comique a l'habitude de travailler avec des professeurs d'art. Bien sûr, nos professeurs à l'éducation nationale d'art ont l'habitude de travailler en chant et en danse, mais nous avons là des professeurs de toutes les disciplines. Et donc l'objectif, c'est pas tout à fait le même. L'objectif final, c'est tout de même d'encourager tous les professeurs qui ont toute la journée les enfants devant eux de tous les âges, depuis la sixième jusqu'à la terminale, eh bien d'encourager tous ces professeurs à aider également les enfants à découvrir leur propre sensibilité à travers ce travail. La Fondation Égalité des Chances a pour objectif de soutenir les enfants de l'éducation prioritaire, c'est-à-dire ceux qui précisément n'ont pas un accès immédiat, direct, facile, familial à l'art en général, la musique, le ballet. Évidemment, ce sont des enfants qui sont éloignés des centres les plus culturels, souvent des centres-villes, et qui en tout cas ne bénéficient pas de cet apport familial. C'est le travail de la Fondation Égalité des Chances que d'essayer de rectifier certaines de ce qu'on pourrait appeler ces injustices. Nous sommes soutenus à la fois par des entreprises françaises, de grandes entreprises françaises, qui ont cette conscience aiguë des nécessités d'intervenir au niveau sociétal et social, et donc de soutenir les enfants qui en ont besoin sur ces magnifiques projets. Et nous sommes soutenus également par le ministère de l'Éducation nationale. Ce qui fait que la chance que nous avons, c'est que la Fondation Égalité des Chances se trouve à la croisée de toutes ces sphères sociales qui existent dans notre société et qui peuvent, en se connaissant mieux, en travaillant les unes avec les autres, eh bien, produire, nous l'espérons, un effet de solidarité et un effet d'inclusion dont nous avons tant besoin.